fait, je l'ai préparé non pas en pensant à ce qu'il était, mais quelle était sa place. Sa place, en fait, c'est quelqu'un qui rassure, c'est un médiateur. Et dans un sens, c'est le personnage qui fait le lien entre, entre guillemets, le monde des gens normaux et les autistes. Et donc, à ce titre-là, je ne pouvais pas l'aborder ni comme quelqu'un de normal, ni comme un autiste. Donc, je suis parti, moi, sur un travail que j'avais déjà entamé quand j'étais à l'ESSAD avec un professeur extraordinaire qui s'appelait Paul-André Sagel, qui m'a donné donc des cours de clown. Et dans le clown, en fait, il y a de la neuroatypie. Le clown est toujours confronté, en fait, au monde et d'une manière singulière. Et donc, je suis parti de là. Je me suis dit, en fait, qu'il ne fallait pas que je pense à l'autisme. Il fallait que je pense juste au regard sur les choses. Et la manière sensible qu'une personne singulière peut avoir vis-à-vis de ça. Et donc, je suis parti vraiment de cette expérience-là, qui m'est propre, qui m'est intime, puisque chacun des comédiens a un clown en soi, tout le monde a un clown en soi, qui m'est propre. Et donc, voilà, donc je suis parti sur des mouvements dont je me suis aperçu moi-même aussi par rapport à certaines émotions que je pouvais avoir, par exemple le hochement de tête, l'excitation avec les doigts, et tout ça en me laissant avoir complètement par la poétique et l'humour de tout ça. Voilà. Donc, plus en pensant médiateur qu'autiste, je pense que ça aurait été une erreur que je m'enferme en fait dans cette problématique et ça aurait, à mon avis, mis le personnage à un endroit de complexité, enfin, de fausse complexité plutôt. Voilà. C'est ça ce qui me permet en fait d'être simple et de pouvoir interagir aussi avec Sarah Mortensen, que j'adore. J'adore travailler avec elle, qui elle est vraiment en train d'incarner un personnage avec un trouble d'Asperger très particulier, et donc il y a une rigidité dans le jeu. Et mon personnage travailler comme ça me permet d'interagir avec elle, mais comme aussi avec Lola Devers, qui elle joue une commissaire de police. Et donc toujours être un passeur, plus un passeur que véritablement travailler l'autisme.